Bienvenue mes taureaux pour votre tirage pour ce mois d'avril 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Enfin, nous regarderons en fin de tirage, les amis, la surprise pour vous ce mois-ci. Donc restez avec moi jusqu'au bout pour découvrir ce à quoi vous ne vous attendez absolument pas. Allez, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'abondance en éclosion en inversé. À l'envers, cette carte révèle une diminution potentielle d'argent avec les pièces de monnaie qui tombent du jardin et disparaissent. Parfois, quand vous tirez cette carte à l'endroit, dans cette position, vous pourriez avoir l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts comme de l'eau. Même si la situation semble vouloir se poursuivre, vous pouvez tout de même la renverser. Soyez très conscient et responsable par rapport à vos problèmes d'argent. Agissez pour semer de nouvelles graines et prenez soin de votre jardin financier avec patience et clarté. Ce cycle va se terminer, ce qu'on voit très très clairement ici pour vous les amis. Et avec le temps, vous récolterez les fruits de votre labeur. Votre thème pour vous ce mois-ci est celui de l'espoir, un thème renforcé par l'énergie de l'étoile ici, centrale à votre tirage, ce qui me dit qu'une forme de miracle va se produire dans votre vie ce mois-ci ou quelque chose que vous désirez vraiment. C'est en tout cas une énergie d'espoir, de foi, de guérison, d'aspiration, de succès, mais également d'éveil spirituel, et j'entends l'expression « voir la lumière au bout du tunnel ». Donc si effectivement vous traversez des difficultés qu'on peut voir ici dans cette 10 de bâton, sur le plan professionnel, financier ou émotionnel également, des choses du passé là, qui vous empêchent un peu d'avancer, eh bien vous allez voir la lumière au bout du tunnel ce mois-ci, les choses vont se résoudre pour vous, quelque chose qui tient du miracle d'ailleurs. Le futur peut être celui que vous espérez lorsque vous avez l'espoir et que vous êtes confiant dans tout ce que vous faites. Pour certains, ce peut être également donc une guérison miraculeuse, mais avant tout, restez positif, amis taureaux, pour attirer à vous davantage de manifestations positives dans votre vie. La première carte que vous avez pour le passé, c'est cette 3 de bâton ici. Elle vous parle de désir, de découverte, d'expérience, de rencontre et de bonheur. Avec cet alignement de la 7 d'épée et de la 10 de bâton ici, je vois pour certains que vous pourriez partir à la découverte eh bien, de secrets de famille ou de mensonges lourds à porter. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir, quelque chose que vous avez besoin de savoir et qui ressemble à un fardeau que vous portez. Ce peut être aussi que vous vous sentez prêt ou prête à vous libérer de vos propres mensonges pour envisager la vie et ses possibilités de façon optimiste et positive, ne plus envisager les choses comme des difficultés, mais comme des expériences d'apprentissage nécessaires à votre évolution et à la découverte du monde et de vous-même. Mais je ressens vraiment que vous avez à creuser, à chercher dans votre histoire familiale peut-être pour vous débarrasser de certains mensonges ou de croyances qui ne servent pas à votre meilleur intérêt. Un exemple, le plus concret, c'est parce que je viens d'une famille d'ouvriers, alors je ne peux être autre chose qu'ouvrier. Vous voyez, ça fait partie de ce qu'on appelle le déterminisme social, qui pour moi est une ineptie totale. Alors il n'y a pas de sous-métier, c'est pas ce que j'essaie d'expliquer. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est même si vous êtes fils d'ouvrier ou fille d'ouvrier, eh bien vous pouvez tout accomplir finalement en vous en donnant la chance, l'opportunité, l'audace, le courage, la volonté, la détermination. Donc c'est ce genre de mensonge en fait qu'on essaie de se libérer ici, vous voyez. Si vous êtes célibataire, je ressens que vous allez avoir envie de laisser une déception derrière vous, quelque chose que vous avez vécu comme un véritable fardeau, peut-être depuis longtemps d'ailleurs, mais particulièrement sur le plan émotionnel, pour aller vers de nouvelles rencontres, portées par un désir de nouveauté, par la curiosité et la libération des sens. Mais vous savez aussi que vous devez agir, car si vous ne faites rien, alors rien ne se passera. Mêmes actions,
Même résultat. Mais ce mois-ci, amis taureaux, vous incarnez cet espoir et cet optimisme pour vous relancer avec curiosité dans de nouvelles rencontres ou dans de nouvelles aventures. On sent, quoi qu'il en soit, votre besoin d'évolution, c'est certain, mais il vous faut vraiment croire en vos capacités intrinsèques, en vous débarrassant de vos croyances limitantes et des fausses informations du passé quant à ce que vous pouvez faire et devenir, particulièrement si vous travaillez sur un projet en particulier. Alors, sur le plan sentimental, ce que je vois aussi, c'est que peut-être que par le passé, vous avez été trahi, vous avez été déçu, vous avez eu l'impression de vivre un mensonge ici, et qu'il y a besoin de creuser dans cette histoire pour vous en libérer, pour vous libérer de ce qui ne vous appartient pas ici. Vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un vous a trahi, menti, que ça remet en question votre capacité à être aimé, à être estimé, ou à pouvoir vivre une relation authentique, véritable et d'amour partagé. Hein ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de l'ermite ici. Elle vous parle d'introspection, de sagesse, de patience, d'intériorisation et de recherche. Avec cet alignement de l'étoile et de la 4 de coupe ici, je ressens que vous faites le point sur votre situation actuelle en faisant face à vos insatisfactions, quel que soit le domaine concerné. Pourtant, vous incarnez dorénavant cet optimisme. C'est comme si vous alliez enfin reprendre les choses en main. Ce que je vois également, c'est une très belle surprise pour vous, encore une fois, hein, ce miracle qui va se produire ici, au moment même où vous y attendez le moins. Quelque chose qui tient de l'opportunité rêvée, de la rencontre rêvée ou de la guérison miraculeuse. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, c'est une promesse d'épanouissement en profondeur et d'élévation pour vous. Mais dans la 4 de coupe, il y a effectivement ces doutes, ces insatisfactions dans votre vie personnelle ou relationnelle en ce moment. Et ça vous invite finalement à la réflexion et à la prise de recul. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont mes désirs véritables? À quoi pourrait ressembler ma vie idéale, hein, ou mon partenaire idéal? Qu'est-ce qui en moi ne se sent pas comblé aujourd'hui et que puis-je faire pour transformer tout cela? Pour certains, vous êtes peut-être si investi dans votre carrière, dans vos projets, dans l'atteinte de vos objectifs, que vous vous êtes limité à une certaine forme de solitude ou d'isolement qui, dans cette 4 de coupe, finalement, ne vous convient plus totalement. J'ai l'impression que vous allez vous poser des questions très importantes pour vous ce mois-ci et qui vous préparent très certainement à un avenir qui va être empreint de changements majeurs, hein, puisqu'après la réflexion, eh bien, viendra l'action. Ce peut être aussi que vous pensez à quelqu'un en particulier en vous demandant si cette personne éventuellement pourrait vous correspondre, hein, ou si c'est ce que vous voulez vraiment ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la roue de fortune ici. Elle vous parle de hasard, de transformation, de destin, de cycle et de déplacement. Avec cet alignement de la 3 de denier et du diable ici, je vois vraiment, pour certains, cette rencontre amoureuse inattendue. Peut-être est-ce cela votre miracle ce mois-ci, mais en tout cas quelque chose qui sera épanouissant avec beaucoup de communication et qui va réveiller toute cette tendresse qui sommeillait en vous. Pour les couples, on consolide la relation, particulièrement si vous avez été préoccupé par le professionnel, votre partenaire a été préoccupé par son professionnel, peu disponible en somme, hein, l'un pour l'autre. Ici, on retrouve un équilibre avec nos besoins profonds. On retrouve du temps de qualité pour l'autre ou pour nos proches. Mais oui, pour les célibataires, il y a bien cette rencontre inattendue qui va vous permettre de commencer un nouveau cycle beaucoup plus chanceux et beaucoup plus heureux de votre vie sentimentale, mais également de laisser derrière vous cette énergie du diable ici qui a pu vous empêcher d'avancer depuis un moment. Sur le plan professionnel, eh bien, on me parle de transition, de renouveau, d'évolution, mais également de retour sur investissement. Donc, si vous étiez dans les contraintes financière par rapport à la carte d'énergie ici, votre situation va grandement s'améliorer, les amis, dans les semaines à venir. Pour certains, vous pourriez également changer de poste ou assumer de nouvelles responsabilités. Pour d'autres, ce peut être des opportunités inattendues, particulièrement sur le plan commercial, dans cette 3 de denier ici, sur le plan financier, une mutation professionnelle, voire même une augmentation. Allez,
On va découvrir maintenant, amis taureaux, la surprise pour vous ce mois-ci, ce à quoi vous ne vous attendez pas du tout, et vous avez la tempérance. Ça coule de source, ça coule à flot pour vous. Encore une fois, peut-être cet argent ici qui pourrait venir en abondance à vous, ce qui pourrait vous surprendre hein, finalement, hein, particulièrement si, voilà, si vous êtes à votre compte, vous avez une entreprise, un business, et que les choses étaient peut-être un peu compliquées, un peu difficiles ici, mais alors là, les choses se débloquent et vous attirez cette abondance, ces clients, ces contrats, ces opportunités ici. Hein. Ou ça peut être aussi, dans cette tempérance, cette rencontre amoureuse avec quelqu'un qui vous correspond vraiment, ça coule de source, c'est évident, c'est fluide, agréable et plein de douceur entre vous. Vous allez, amis taureaux, vous sentir particulièrement bien ce mois-ci et dans les semaines à venir, en laissant derrière vous les difficultés et les fardeaux du passé, vos espoirs seront comblés. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.